emporte comme ailleurs la montagne pure, les randonneurs comme tous les chemins de faut suivre. Décidément, l'escrime française s'est mouche à Pékin. L'équipe masculine a remporté cet après-midi la médaille d'or face aux États-Unis. Il y a eu aussi deux médailles de bronze, en voile et en aviron. Voici le résumé de bonne nouvelle de la journée avec Pierre Lessing. La France, ils peuvent sabrer le champagne. Boris Sanson, Nicolas Lopez et Julien Pillet décrochent l'or et conservent leur titre olympique d'athlète. En finale, l'équipe tricolore de sabre a dominé les États-Unis. 45 à 37. L'escrime française repart des Jeux de Pékin avec 4 médailles, 2 en or, 2 en argent. En je suis à fond au niveau de... Aligné cette fois et en cadence, le 4 de coupe messieurs remporte le bronze. Les Français ont arraché leur place sur le podium derrière la Pologne et l'Italie. Il aime le gros temps et c'est tant mieux. Sur un bateau qu'on appelle le Finn, Guillaume Florent finit rincé, mais bronzé. Ce matin, les Anglo-Saxons étaient les plus forts dans ce combat contre la pluie, la houle, les rafales de vent. Choc d'un autre genre, catégorie des super légers. Alexis Vastine en bleu accède à la demi-finale. Pour ses premiers jeux, c'est la certitude de remporter au pire une médaille de bronze, car en boxe, il n'y a pas de classement pour la troisième place. Il peut d'ores et déjà rêver d'or ou d'argent. Le jour de ses 30 ans, Mehdi Ballas offre un beau cadeau, son ticket pour la finale du 1500 mètres. Le double champion d'Europe de la distance.